On est allé chercher des sous là où il y avait danger. J'ai plus pensé à faire du haram qu'à aller me ranger. Il suffit d'une cagoule, d'une calage si je veux me venger. Traîne pas par là si t'as pas l'argent, vie dans danger. Salut internet, c'est Kamoff. Alors aujourd'hui vous allez pouvoir visionner une nouvelle vidéo qui concerne les chats, qui concerne plus précisément 5 chatons. 5 chatons dont la mère s'est faite écraser pas loin de leur de l'endroit où ils vivaient, d'accord. Donc vous allez pouvoir regarder dans la vidéo qu'il y a une personne en particulier qui a fait exprès d'écraser la mère parce qu'il en avait marre d'avoir des chats à côté de sa propriété qui faisaient leurs besoins, qui le mec, je sais pas, il aimait pas les chats, donc voilà, il a écrasé la mère et du coup les petits sont restés à l'abandon, sans lait, et du coup si on n'intervenait pas, les chats mourraient. Donc je vous invite à regarder cette vidéo et on se retrouve à la fin pour une conclusion, sachant que bon ben c'est vrai que la personne qui a fait tout ça n'est pas une personne, moi j'aurais pensé plutôt que c'est une personne, c'est un psychopathe. Je tiens à préciser aussi que cette vidéo a été tournée juste après qu'on ait fait la vidéo avec où je me faisais passer pour un handicapé et que je me faisais voler 200 euros. Donc ça a été tourné juste après parce que bon, c'est le bon Dieu qui nous a envoyé. Vraiment on a trouvé ces chatons juste à l'endroit où on a cassé la carte bleue. Je sais pas si vous vous rappellerez, vous regardez des vidéos, c'est exactement le même endroit. C'est vraiment un signe du destin, voilà. Donc regardez cette vidéo et on se retrouve à la fin pour une conclusion. Ciao. Ils pourront pas, les petits pourront pas, il y a pas la mère. Faut les prendre, faut les faire adopter, non. Parce que nous on a l'habitude. Parce que nous on fait que ça en fait. On fait des vidéos sur internet et on récupère des animaux maltraités, on fait que ça. Mmh. Des chats, des chiens, on fait que ça. Et là, si vous me dites qu'il y a 3 bébés là, ils n'ont même pas les yeux ouverts, la mère elle s'est fait écraser 4, juste 5, là. Il y a 5, s'il y a 5 bébés, il y avait une couverture. Est-ce qu'avec du lait maternel, on pourrait ça passerait. Mais même du lait, on leur met du lait, mais il faut qu'ils y voient, ils se mettent là. Si on s'en occupe, si on trouve quelqu'un pour s'en occuper, ça va penser ça. Il n'y a que le refuge qui va les récupérer. Non, après il y a des familles d'accueil aussi. Faudrait les mettre en photo. Non, je peux passer ici les récupérer. Je les récupère, ah oui, je les mets en famille d'accueil de suite. Ils se mettent là derrière les bouteilles de gaz, vous voyez. On va regarder, si vous partez un petit peu, vous allez les voir sortir. Ouais, c'est un truc de fou parce qu'on vient de faire la vidéo comme de l'autre qui vient de me niquer les sous, de me voler les sous. Et d'un coup, on tombe sur ça. C'est une pierre de coup, franchement, c'est le bon Dieu qui nous a envoyé. Je vais faire sortir les gars, essayez d'attraper deux. Ah, putain. Tonneau. Viens m'aider. Pardon ? Ouais, la dame, elle a l'habitude de. Tout ça, elle a dit qu'elle avait adopté un Rottweiler. Bon, qui est mort. Elle a gardé 10 ans. Les chats, elle en avait adopté 7. Voilà. Là, elle vient leur donner à manger tous les jours. Elle a ramassé la mère qui s'est fait écraser. La mère chat. Là, il reste plus que les bébés. On va essayer de les prendre, les faire adopter. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Je montre que là, il y a tout le monde qui est parti de l'autre côté chercher. Ouais. On va, tu sais ce qu'on va faire? Moi, je suis plus fin que toi. Je vais essayer de faire le tour, de passer chez. Ouais. Chez le mec, là. Parce ouais. qu'ils sont entre le grillage et le truc. Ouais, bah tu et toi, tu les fais là. Ouais, voilà. Je les attrape. Qu'est-ce qu'ils sont? Je voulais savoir ce que vous faites là. Ben, je vous ai dit, on cherche les chatons parce qu'on va les. La mère s'est fait écraser. La mère s'est fait écraser là. Oh, mais la mère, sachez qu'elle s'est fait écraser. C'est moi qui l'ai écrasé il y a une semaine de ça. Ouais, ça c'est... J'aime pas les chats, moi. Je veux pas de chats ici. Volontairement, vous avez fait. Oui, je l'ai écrasé volontairement. Raison. Parce que j'en ai marre de chasser la mère. Elle a fait déporter, c'est trop tard. Oui, elle a fait déporter. À cause de vous, vu que vous avez écrasé le chat qu'il y a là, on va être obligé de récupérer les chatons, sinon ils vont crever aussi. Bon, moi, c'est comme ça, bon, je veux plus de chats. Là, j'ai écrasé la mer, il n'y aura plus de chats ici. Les petits ils vont mourir petit à petit, il n'y aura plus de chats. Ça, je serai débarrassé. Attendez, vous êtes qui? Vous habitez où? Moi, j'habite à côté. Juste là? Non. Moi, j'habite. Ça, c'est ma mère. Juste à côté, moi, j'habite. Okay, donc là où on est actuellement, c'est pas chez ta mère. Enfin, chez votre mère. C'est pas chez votre mère, là où on est actuellement. Non. Bon, parce que les chats ils sont là et ils se baladent, ils sont là, ils vont pas rester là toute la journée. Ils sont là, ils sont là. Vous pouvez pas parler de propriété privée quand vous êtes même vous, vous n'êtes pas chez vous. Voilà, là on a récupéré les chats, on va les récupérer. Donc ça sert à rien de venir nous dire de pas les prendre alors qu'on vient les récupérer, au moins il n'y en aura plus. Pourquoi votre collègue il filme? C'est quoi ça? Je vais vous expliquer. Regarde, on a les mêmes t-shirts là. Je sais pas si vous avez fait attention parce qu'en fait on est une genre de. Un genre de mouvement sur Facebook et on filme toutes les interventions qu'on fait pour les animaux, tout ça. Je m'en bats les couilles.
Kamoff, les trucs, c'est quoi ça? C'est quoi cette connerie? Est-ce que je suis venu chez vous? Non. Alors pourquoi vous commencez à me dire que je m'en bats les couilles, je sais pas quoi? Parce que moi ça m'intéresse pas de savoir ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces chats? Si vous allez m'en débarrasser ou pas? Je m'en débarrasse, c'est pas ça le problème. Vous, vous comptez en faire quoi? Déjà, vous avez tué la mère. Pourquoi vous dites qu'ils vont mourir petit à petit? Que j'ai écrasé la mère, donc petit à petit ils ont plus de mère, ils ont rien, ils vont mourir. Bon, écoutez, nous on va les récupérer les chats. Non, laissez-les, je vais les laisser là. Vous laissez là les chats, je vais les voir. Vous allez nous dire qu'on veut les récupérer. Non, vous ne récupérez rien. On va partir les chats, si on les récupère, vous les voyez plus les chats? Je vais regarder crever ces chats de merde. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous les laissez là. Non, parce que moi je n'ai pas de chats, ils vont avoir des chats à moi. Vous plaignez d'un truc. Et au final, il n'y en a pas chez vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y en a pas chez moi parce que je m'en occupe de ces chats. Quoi? Bah si je les laissais chez moi, il y en aurait des centaines. J'en veux pas. Pourquoi? Vous avez tué des chats chez vous aussi? Bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr, c'est évident. Ah. C'est ma mère. C'est votre mère qui habite ici. C'est ça? Et c'est là qu'ils vendent tous là, les chats. C'est là où il y a des chats. C'est ouais. Ça? Ok. Bon, les chats ils viennent chez votre mère, ça pue tout ça. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. Bon, est-ce que c'est une raison pour les tuer? Et vous habitez où vous? Ils ont envie de rester là, ils resteront là et vont toujours rester là. Ah, donc là c'est votre mère, ça c'est chez vous? C'est ça. Vous avez rien à voir avec les chats en fait? Rien à voir. Non mais il a dit qu'il y avait des chats chez lui. Il y a des chats chez vous. Donc ça c'est... Alors, d'accord, c'est pas vous qui s'en occupez, c'est le chien plutôt. D'accord. Attention au chien. Bon, et ça c'est votre voiture ça? C'est avec ça que vous avez écrasé la maman? C'est avec celle-là que vous avez écrasé la voiture? Ouais. La maman. Oh monsieur, de toute façon, on va récupérer les chats là. Non, vous récupérez pas les chats, ça sert à rien. Ils vont rester là, ils vont mourir là. Je vous dis, je m'en occupe, ça va. C'est une question de temps. Ils vont crever là les chats. Mais pourquoi? Parce que je veux pas les chats, ils vont mourir petit à petit. Ils laissent les crever là. C'est fini, on les meurt pas, nous on s'en occupe. C'est quoi? Je prends pas le chat, t'as compris? Il faut que je te parle en quelle langue, tu prends pas de chat. Ta voiture c'est la bleue, c'est ça? Ta voiture? Ça y est, ça y est. Ta voiture, tout à l'heure je te respecte, tu manques de respect. Tu me dis je sais pas quoi, je m'en bats les couilles, j'ai rien dit. Tu commences à me dire les chats, ils vont mourir, tu te prends pour qui? On va faire à ma voiture. Non, ah bon? Tu es en avant ou l'arrière? Tu restes l'avant. Allez. On continue? Je mets? Allez, vas-y, mets-les. Allez, les petits. Oh, ils sautent, frère. Voilà, là, ils sortent. C'est bon, il était calme. Voilà. On peut, vas-y, viens, viens, on va reprendre d'autres. Ils sont laissés mourir. On les a tous bloqués. Nous aussi, on en a deux. Fais le tour, viens. C'est vrai? Tu vas m'en donner? Viens, fais le tour, viens. Est-ce que c'est possible de venir? Parce qu'ils vont pas tenir, sinon ils vont pas tenir longtemps. Allez, merci, merci. Demande docteur. Là, on les fait traiter. Voilà, s'il y a une facture à payer, on se servira des dons que vous avez donnés sur la collecte, la cagnotte pour les animaux. Et à partir de là, vous verrez que vos dons ils servent pareil. Et que nous, quand vous nous faites des dons, on agit. Il y a des gens qui on a 2000 euros de dons, donc autant que ça serve. C'est vous bien. Vous, je vais prendre votre site. Oui. Je vous enverrai. Bonjour. Vous êtes, n'aie pas ça peur. Non. Vous voyez là, il a eu peur, il a bougé. Donc ça, c'est bon. Donc il reste du coup. Ça s'adapte vite, ça, non? Après, ça fait bon. Il y a pas mal de chatons. Mais bon. Il a fait sauter. Voilà. Ouais. Ça reste du coup. Tu l'as vu la dernière tricolore? Ouais, ça c'est 260 grammes. 260 grammes. 260 grammes.
Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pour moi, c'est une réussite en tout cas, comparée à celle de la ponette. Voilà, alors là, j'ai toutes les factures vétérinaires. Donc, je vous montre à quoi servent les dons que vous faites sur Litchi. Regardez, voilà. Là, il y a une facture de 123 euros. Ça a été payé grâce à vous. Voilà, c'est grâce à vous qu'on a pu sauver les chatons. Hein. Là, il y a la consultation, il y a les cachets parce qu'ils avaient des puces, ils avaient des tics. Ils avaient le coryza et voilà. Donc ils n'allaient pas très bien. Puis il fallait acheter le lait maternisé, tout ça. Il fallait les nourrir, faire des repas tous les 4 heures parce qu'ils en avaient 2 à 3 semaines. Non, maintenant je vais vous lire vite fait le compte rendu de la clinique vétérinaire. Je sous-signais docteur Dana, vétérinaire, hein, 5 chatons âgés de 2 à 3 semaines apportés par monsieur et moi. Ils étaient parasités par des puces et présentaient un jetage nasal et muqueux compatible avec une infection par le coryza félin. J'ai prescrit un antiparasitaire, antibiotique, tatata. Donc voilà, sachez que vos dons servent à ça. Vos dons servent à nous aider financièrement quand on amène quand on sauve des animaux, qu'on les amène aux vétérinaires, qu'on prend des traitements, tout ça, voilà. C'est grâce à vous que les chats ont été sauvés. Nous, on agit, mais vous vraiment, vous contribuez à la partie financière et ça, c'est sans vous, on peut pas faire ce qu'on fait et c'est quelque chose que je tenais vraiment à vous remercier, voilà. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve quand même mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas aussi à nous rajouter sur Snapchat. Snapchat, c'est Kamoff, hein, voilà, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, C-A-M-O-F-F. S'il y a des cas de maltraitance dans les Bouches-du-Rhône, tout ça, pas loin, on peut agir aussi. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre page Facebook. On répond à tout le monde, il n'y a pas de problème, on lit tout. Voilà, et pour tout ce qui est marque de vêtements, tous les t-shirts qu'on porte, Kamoff, les casquettes, là, il va sortir des polos le mois prochain. Donc n'hésitez pas à aller sur www.futuratech.com. Ça, c'est uniquement pour nous aider financièrement à acheter du meilleur matériel pour faire de meilleures vidéos, patati patata, tout ce qui concerne les vidéos, voilà. Après les dons que vous faites, ça concerne uniquement les animaux, on ne touche pas un centime dessus, voilà. Par contre tout ce qui est marque de vêtements, t-shirt, tout ça nous concerne à nous et c'est pour qu'on fasse des vidéos de meilleure qualité, voilà. Donc on marche main dans la main ensemble et on se retrouve mercredi à 18h pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui soutiennent et à tous ceux qui nous aiment pas, car tous ceux qui nous aiment pas nous soutiennent aussi. Ciao.